Merci d'être venu au rendez-vous de la connaissance, de la révélation, de la précision et de la profondeur biblique. Merci d'être venu sur évangileéternel.com, le site web de l'Évangile éternel. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion de l'Évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de chacun et un de chacun et un de chacun. Branchez-vous sur évangileéternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale Évangile éternel, enseignement non-stop. L'Évangile éternel TV, enseignement, quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique pasteur et thème, retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christequality. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le docteur Albert Kalo Kabunda, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Kalo? Allez sur christequality.com/albertkalo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons demander à nos conducteurs, ceux qui président le culte, de nous donner apprécier, même si nous avons que 4 personnes. J'ai comme impression que l'église de Tchopo, tellement les gens sont dans la distraction. Ils sont certains dans les mains du diable. Ils n'ont même plus le zèle de la parole de Dieu. Ils ne sont plus poussés par l'amour de la parole de venir à elle. Mais nous savons que Dieu réanime ses enfants. C'est pour dire que nous devons faire tout pour respecter
écouter nos paroles. Si nous allons dire aux gens que la prière commence à 15h30, nous débutons la prière à 16h. Si nous allons dire aux gens que nous allons finir à 18h, nous allons finir à 20h. Ça risque d'être une vaine parole. Et la Bible dit, au jour du jugement, tout homme rendra compte de toutes les paroles qu'il aurait proférées. Moi, je vais demander à mes collègues que nous devons faire un effort avec la grâce de Dieu de débuter à l'heure et terminer aussi à l'heure. Je ne sais pas maintenant si nous allons terminer à quelle heure. La édité, si vous avez une explication, je vais dire au pasteur. On termine à quelle heure? 18h. Je ferai aujourd'hui un effort pour respecter cela. Bon à côté, ça y est. Amen. Mais avant cette heure, sois patient. Nous allons vite. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui ont décidé d'être avec nous. Et Dieu vous bénisse pour cela. Soyez toujours avec nous. Lisons la parole. Nous allons au jardin. Savent que si je donne un verset ou un livre, même si je ne touchais pas cela, avant que j'arrive à la fin, j'irai le toucher. Et tous les livres que je vous donne, gardez ça avec vous. Parce qu'il y a le temps, quand nous allons commencer à toucher ces livres, nous n'aurons plus besoin de relire cela. Alors nous allons ajouter aujourd'hui un passage dans le livre des 2e Thessaloniciens. Le pasteur pourra nous aider avec la lecture. Chapitre 2, verset 2. C'est là mon cœur ami balé. 2e Thessaloniciens. Chapitre 2. Mon cœur ami balé. Verset 2. C'est là mon cœur ami balé. Pour le lire au nom de Jésus. Attaquez la vie sur la combat à Issou. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Bon midi, kate, kotangwa, na pete, kati, na roule, na vino, malamu. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration. Soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous avons parlé de la présence de Satan parmi les enfants de Dieu. Nobelaki natina ya bojali na satana katikati ya bana na nzambe. Nous avons lu un passage de la Bible. Nobelaki mokapo moko ya Biblia qui disait que les enfants de Dieu se sont présentés devant leur Dieu. Nobelaki kolobaye te bana nzambe ba kendeki liboso na nzambe na bango. La Bible dit Satan était aussi parmi eux. Satan ceux qui sont avec nous la nuit
Dans le partage, on essayait de comprendre encore une profondeur de ce que nous sommes en train de parler tout de suite là. Quand Satan est parti, c'était devant le trône de Dieu. Dieu, la Bible précise que Dieu était là. La Bible ne doute pas de la présence de Dieu. Au contraire, elle confirme que Dieu était là. Les enfants de Dieu étaient là. Et Satan aussi était là. Et Satan a Et nous avons besoin de comprendre la différence que nous allons faire entre Satan et diable. Parce que, comme j'avais dit, ce n'est pas pour rien ou en vain, il y a toujours une intention. Précise de Dieu. Et Zali, pas bâtir, Dieu et Zalaka, n'allez pas au monde à Sikisiki ensemble. Que Dieu dise dans sa parole, au sein de Zali pour le bâtir, n'allez pas naïe, Satan, Satana, est de foi diable. Et balançons Zali pour le bâtir, soyez patient. Nous sommes sur le chemin pour y arriver. Accordez-moi. D'abord une route. Enfin nous y arriverons. Pour voir cette différence. Et cette différence nous aidera à saisir beaucoup de choses. Mais nous voulons parler d'abord de ce Satan-là. Comme je l'ai compris et je l'ai saisi. Vous devez connaître donc l'orientation du vent. Il faut savoir à saisir l'orientation du Saint-Esprit. Dieu nous a fait grâce dans les communautés des assemblées des saints. Sa parole et sa révélation. Donc, allez, les mots d'avoir ensemble à Pessi, l'Iobanaebe et moi, l'Iselinae. Nous sommes un peuple que Dieu a fait descendre la chose. Donc, allez, les mots d'avoir ensemble à Kiti Selimango et l'autre. Nous sommes ce peuple-là. Donc, allez, les mots d'avoir à qui Jésus-Christ avait fait la prière. Oh, Jésus-Christ, on va parler à qui? Où il avait dit ce jour-là. Sont-ils les mots d'avoir dit, nous Je te loue, je te glorifie, parce que tu as caché ces choses aux hommes de ce monde, mais tu les as révélés aux petits enfants. Cette prière-là était une prophétie vous concernant. Parle pas en parabole. Vous savez, aux apôtres, il a dit aux apôtres, parce que les apôtres se sont présentés devant nous. Avec les questionnaires, le vrai homme de Dieu ne craint jamais. Quand ils se sont présentés, ils ont dit, mais chaque fois quand tu parles,
parles de devant la foule, tu parles en parabole. Pour la vie, tu as mon temps, mon ami, mon bacat, il a été là, mon ami, mon bacat, il a été là. En s'exprimant en parabole, la foule n'arrive pas vraiment à te saisir. Et pour la vie, mon ami, aussi, mon ami, mon ami, Dieu qui est l'amour. Dieu qui est l'amour, il répond en disant, je parle en parabole, parce que je ne veux pas que tout ce monde comprenne. Je ne veux pas qu'ils comprennent ce que j'enseigne. Ce que je prêche ici, je le cache à ces gens. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, mais en fou. Parce que pas, il a dit non. En fou, les petits enfants. Je parle ouvertement. Mais il a ajouté une parole. Jusqu'à présent. Je ne vous ai pas encore parlé. Mais il arrivera un jour où je ne parlerai plus à parabole. C'est un jour là. C'est aujourd'hui. C'est nous. Nous. Dieu est un notre époux. Il ne cache plus rien. Il nous dit toutes ces choses. Pourquoi j'ai dit cette parole? Elle nous a confié la révélation. C'est pourquoi nous avons le pourquoi de chaque chose. Mais la révélation a un danger. La révélation a un danger. Et c'est ce danger que les assemblées de ce parcours aujourd'hui. La communauté des assemblées de saints, et Dieu a donné la prophétie. Dieu a donné la révélation. Un frère de l'assemblée de saints, un seul frère de l'assemblée de saints, est égal à 10 000 pasteurs du groupe de prière. Elle peut parler plus que ce pasteur. Voilà la chose que Dieu nous a confiée. Voici la différence que nous avons. Et vous devez comprendre. C'est ce que Dieu nous a donné là. Si je prends le mot que le pasteur venait dire, il y a les gens qui se sont glissés parmi nous. Envoyé par Satan dans la révélation, ce sont les gens les plus dangereux parce qu'ils ont la révélation. Il y a un danger dans la révélation et c'est ce danger là que nous allons essayer de comprendre. Vous pouvez dénicher facilement un homme du groupe de prière, un homme des Zambébadé appelé Zambébaram, un homme de Stephen Diane, vous pouvez le dénicher facilement. Dénicher quelqu'un qui est dans l'évangile éternel et qui enseigne aussi la révélation, là il faut l'aide de l'éternel. Pourquoi le frère Paul, l'apôtre Paul, quand il a saisi cette chose-là, il dit à l'église de Thessalonique, ne vous laissez pas embraler dans votre bon sens.
même cité les noms. Qui n'ont été à quelqu'un qui peut pas t'apprendre. Tellement le pourquoi de chaque chose. Pour le voilà, si il y a ma savonneuse. Tellement la révélation prenait la route et la révélation chevauchait. Et puis, Mikini qui le voilà, et moi, il s'est dit, et là, il faut se manger, et puis, après, fou, jusqu'à ce que les gens ont dit. Qui n'ont été à quelqu'un. Pourquoi attendre la résurrection? Pour la ligne, tout c'est la résurrection. La résurrection avait déjà eu lieu. Et quand ces gens faisaient la démonstration, ils montraient que si nous disons que Jésus-Christ est parmi nous, ce qui te revient, Jésus-Christ a dit, nous sommes déjà ressuscités. Tu sais, oui. Alors pourquoi attendre encore un autre Jésus? Vous voyez les dangers de la révélation. La révélation peut vous amener à dire. Et moi, c'est qui qu'on fait marier ou pas? Même quand on dit tout c'est Jésus-Christ. La révélation peut vous amener à dire demain que c'est si c'est Jésus-Christ. Et moi, c'est qui qu'on fait marier ou pas? Donc, la paix, c'est Jésus-Christ. Pas le serpent de Javé de Ben, c'est Jésus-Christ. Et quand cette personne fait la démonstration, il faut avoir né de l'éternel pour comprendre que ça c'est diable maintenant. Il y a un risque dans la révélation. C'est pour vous dire ceci. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, c'est là. Il avait compris le manigance de Satan. C'est pourquoi il dit à l'église de Corinthe, cela n'est pas étonnant. Car cet ange-là, moi je vois là, car ce ministre, c'est déguisé en ange de lumière. De Satan de travailler, c'est le sentiment de sa pauvre et de prophète. Regardez que dans la communauté, dans notre communauté, il y a quelque chose que nous avons oublié, ne pas connaître Satan. Non, vous ne pouvez pas enseigner parce que nous serons comme les autres.
diable n'a jamais prêché Satan. Si fait le diable a dit qu'à la côté à Satan. Tout ce qui nous dit ministère de combat. Oui, ils ont le ministère de combat de Jésus. Nous allons lire avec vous, vous verrez que et combat de Jésus. Parfaite beauté. Et tant le moi j'ai la vie, la loi, et moi j'ai pas la vie, la
Cela, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 28. Maintenant, je vais répéter parce que je descends pour vous expliquer comment Dieu travaille et comment diable travaille. La Bible dit, au chapitre 16, au verset 16, à cause de ta grandeur, de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître. Chez les mains protecteurs du milieu des pieds étincelants. Chez les mains protecteurs du milieu des pieds étincelants. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par la tête. Je te jette par la tête. Qui parle de ces choses? C'est un prophète. C'est le prophète. Qui nous parle d'un ange? Parce qu'un prophète, comme j'aime toujours entendre cette phrase du pasteur, pasteur Tamoué, il a toujours dit que la prophétie anticipe la réalité. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui te dit. Dieu m'a aussi parlé. La prophétie annonce. La prophétie vit la chose. Pour un prophète, ce n'est pas celui qui étale les événements. Étaler les événements, c'est raconter l'histoire par la compréhension. Mais un prophète, c'est celui qui voit ce qui est dans l'avenir. Rapporte au peuple présent qui n'ont pas encore vu. Et le jour où ça va arriver, le peuple dit, le Seigneur nous avait déjà parlé. Un prophète, on s'appelait, entre dans la chose. Je rentre pour mieux éclairer. Un prophète comme Esaïe, regarde comment il prophétise. Il dit, un fils nous fermait. Il parlait déjà de l'arrivée de Jésus. Tandis que lui et le peuple de son temps n'a pas vu Marie être enceinte et mettre au monde Jésus. Mais il dit, le Fils nous aimait. Si comme il était déjà. Si comme l'enfant était déjà. La prophétie exhorte. La prophétie console. La prophétie édifie. Vous comprenez cela? Maintenant cet homme. Ézéchiel prophétise comme Esaïe. On dirait dans sa chair physique, il a été là. Mais
je vous dis, dans ce temps-là, l'esprit du prophète était là. Morimo Yamosakoli et Zakuana. Ézéchiel était là en esprit. Ézéchiel Zakuana Katina Morimo. Mais quant à la chair, il n'a pas vécu la chose. Mais quant à l'esprit, il a vécu la chose. Maintenant, il nous parle de ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que l'un des protecteurs, l'un des chérubins, par son cœur qui a été élevé au-dessus de Dieu, par l'orgueil, comme le prophète nous a dit la nuit ici, l'orgueil précède la chute. Il était l'un des astres, l'un des anges autour de Dieu. Mais lui, il avait des particularités que nous allons voir. Il était sur la montagne, c'est-à-dire il ne pouvait être au-dessus des autres. Mais à un moment donné, il s'est dit, moi je peux être aussi comme lui. Déjà je donne les ordres et que je suis suivi. Mais je peux être aussi comme Dieu. Toutes ces choses vous les connaissez. Et à cause de son orgueil, le Seigneur va le Dieu va le prescrire sur la terre. Alors dans la définition des anges, il y a que le prophète Paul qui nous révèle encore, parce qu'il a eu l'occasion de voir l'ange. Il a eu l'occasion de voir les anges. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent aujourd'hui que les anges n'existent pas. Nous allons revenir dans la parole pour comprendre ce que c'est la fausse doctrine ou c'est la vraie doctrine. Paul est un prophète. Il est parti au ciel. Parce qu'il est un prophète, il dit, je sais un homme. Je ne sais pas si c'est dans sa chair, si c'est dans l'esprit, il est monté au ciel. Paul a fait l'expérience de Moïse. À la montagne de l'Horeb. Moïse est monté, il est entré. Or, la nuée est un homme. Il est entré dans cet homme-là pour que l'homme en question lui révèle les choses cachées. C'est dans la montagne. Et voici cela est revenu dans notre bien-aimé Paul. Je prends la parole de Paul avec deux volets. Quand il dit cette révélation, je n'ai pas reçu ça de quelqu'un. Quand il dit ceux qui ont été avec avant moi n'ont rien à m'imposer. Il ne parle pas seulement des apôtres. Il parlait aussi de Moïse. Parce qu'il a fait la même expérience avec Moïse. Cet homme-là, que vous appelez Paul, regardez quelque chose. Dans Hébreu, parce qu'en partant là-bas, imagine-toi un homme comme Jésus, descend sur la terre, et puis il faut lui demander, est-ce que tu connais les anges? Il te parlera comme un ange. Parce qu'il vit, il a vécu avec les anges. C'est lui qui
qui n'a jamais vu l'ange ne peut pas vous parler de l'ange si ce n'est qu'il doit entendre la définition de chez quelqu'un d'autre. Alors, regardez bien. Regardez très bien. C'est dans Hébreu. Parmi les apôtres. Il y a qu'un apôtre. Qui a donné la définition des anges. Quand même il parle à l'église des Colossiens ou des Philippiens. Vous allez le constater. Il parle de la doctrine des anges. Mais dans Hébreu. Paul dit que ce qu'est un ange. Moi je dis un ange. Ce n'est pas autre chose. Ce sont des esprits. Et vous dites au service de l'Éternel. Donc c'est pourquoi nous avons toujours dit les Branhamites qui sont là. C'est quoi le message de Branham? C'est que nous disons là. C'est que nous disons là. Si Branham était vivant, il allait se répandir. Et vous également, vous allez vous répandir. Malheureusement pour vous, Branham est mort. Quand il s'est dit l'ange, parce que l'ange, c'est un messager. La différence qui existe entre un ange qui est un messager, homme messager. Nous tous nous sommes des messagers. Mais nous tous nous sommes pas des anges. Parce que l'homme, c'est un est différent de l'ange. Parce que l'homme n'est pas un esprit. Nous sommes, tu es l'homme au service de Dieu. Mais l'ange, c'est un esprit au service de Dieu. Dans toutes les choses, vous les connaissez. Vous savez bien que c'est un esprit. Alors Satan, c'est un esprit. Et un ange, chérubin protecteur, c'est un esprit. Cet esprit a été au service de Dieu. Et quand cet esprit s'est enorgueilli, cet esprit a été détaché de l'armée de l'Éternel. Ah, mais tant détaché de l'armée de l'Éternel, il est resté toujours l'ange. Il est resté toujours l'esprit. Mais la différence est que il y a les anges au service de Dieu. Et il y a les anges qui sont dans leur propre service. Voici la différence. Maintenant cet esprit, selon la prophétie, Dieu a décidé de précipiter cet esprit sur la terre. Selon l'Apocalypse chapitre 12 et verset 12. Et de là Dieu dira, malheur à la terre, car cet esprit est maintenant sur la terre pour troubler les habitants de la terre. Maintenant, l'esprit, c'est quelque chose d'invisible. Or, les habitants de la terre, ce sont les corps, le matériel. Nous sommes matériels. Mais comment alors cet esprit qui était sur la terre, comment cet esprit pouvait alors entrer en contact avec l'homme, les habitants de la terre? Parce que animé d'une grande colère. Maintenant, cet esprit, c'est un esprit qui a tout vu devant Dieu. C'est pourquoi Ézéchiel dit ceci.
tu as fait tout le mystère. Saint-Esprit, au service, quand il était au service de Dieu, il a vu la manière de Dieu de gouverner. Saint-Esprit a vu. J'avais avec
les presbytes sur la terre. Zambe a quoi qui est à ma bébé. Mais alors sur la terre, il faut qu'il obéisse. Mais regardez, quand on les presbytes sur la terre, il y a quelque chose que vous allez retenir ici. Et ça, il y a un moment où il Dieu fait quelque chose. Ça, ça, c'est le selon Genèse. On est dans la boue qu'on a évadé. Qu'est-ce que Dieu fait? Ça, ça dit. Dieu dit. Ça, ça dit. Alors il faut que je crée un homme à mon image. Et c'est bien ça, quand on a évadé. Le terrain va faire un jardin de bain. Ça va faire un amour qu'on a évadé. En faisant le jardin de bain. Et il a tout planté. Alors il a dit le tu as trouvé non. Je dois aussi planter l'homme. Et Dieu va créer l'homme. Il va placer cet homme-là dans le jardin. Tout ça, vous connaissez. On n'arrivera pas là où on pourra arriver si je ne vous rappelle pas ceci. Et quand Dieu va planter l'homme, cet homme-là qui était dans le jardin de Dieu vivait avec tous les animaux. Alors il faut dire mais Dieu est un prophète. Il voyait que parmi les animaux, il y a un animal qui est tout misé. Quand Dieu dit que le serpent est un animal misé, mais nous allons voir pourquoi il avait dit cette parole. Mais remarquez que dans le jardin de l'homme vivait avec tous les animaux et sans problème. Je suis dit quelqu'un qui épatait les gens quand il prêchait l'église qui criait alléluia. Et les gens étaient très contents là. Et cet homme-là, et Motoana, ce qu'il enseignait, et n'avait rien à voir avec la parole du Seigneur. Je veux révéler que c'est ce que j'avance. Remarquez, le Seigneur fait quelque chose. Pendant que l'homme était sur la terre, l'astre brillant, mon sang de la croix qui a été précipité, il était aussi là. Amen. Vous voyez? Mais pendant qu'il était là, il ne faisait rien à l'homme. Il n'a rien fait à l'homme. Mais il était là. Quand Dieu parle avec l'homme, tu mangeras ça. Et ça tu mangeras pas. Tu mangeras ça. Et ça tu mangeras pas. Il était là, il entendait et il voyait. Il y a ceux qui parlent, lui il était malade. Non. Regarde comment il révèle qu'il était là. Quand il viendra voir l'homme pour la première fois, il va lui dire, Dieu a-t-il dit c'est-à-dire quand Dieu parlait avec l'homme, il écoutait. Il dit, il disait, il écoutait comme tout le monde. Maintenant, nous voulons comprendre quelque chose. Tout ce que Dieu fait, nous sommes il le fait pour un but. Même la révolte de Satan avait un but. Et il y avait un but. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cet homme-là qui prêchait, tellement qu'il décortiquait ce que les gens appellent la révélation de la prophétie. Il dit, nous sommes déjà rentrés dans le jardin de l'Éden. Après moi, je suis allé lui poser la question. Frère, je suis rentré dans le jardin de l'Éden, mais j'ai cru encore le lion. Je suis le jardin de mais je crée encore le serpent. Tu peux nous expliquer ce volet-là? Parce que l'homme qui était dans le jardin de l'Éden s'entretenait avec les animaux.
jamais levé, mais quand je vois les serpents vipères, je fuis. Je ne peux pas vous parler de temps car nous avons des choses à parler là-dessus. Quelque chose de très important. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur, dans Ézéchiel là, vous faites le demande verset 16. Mais sachez que le dit, quand il reçoit le message, le Seigneur disait, parle au chef de tir. Dieu identifie. Enseigne l'Apocalypse. Et avant de nous parler, de la bête, ça c'est l'Apocalypse. Mais montre-nous ce genre d'acte de commencement. La bête a été au commencement et le roi dès le commencement. Et ça va nous aider à compléter le passage de l'Apocalypse. Et regardez bien. Dans Ézéchiel. Si tu dis directement Satan, je dis, adresse-toi au chef de Dieu. Le prince de Dieu. Le Satan, 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 dans cet esprit-là, dans un prince de royaume. Nous allons comprendre pourquoi. L'Apocalypse dit, cette femme-là, c'est prostituée avec tous les rois de la terre. Vous allez m'excuser, je parle beaucoup. Mais je vais respecter. Kasi Nakoto Samonga. Écoutez bien. Voilà, Dieu. Retenons pour parce que quand je parle, les gens pensent que je suis en train de vanter. Ils ont cela. Ézéchiel. Prenons le verset 2. Chapitre 28. Nous gagnons le temps. Fils de l'homme, annonce au chef de Tigre. Voici ce que dit l'Éternel. Je dis que c'est le quel chapitre 2. Fils de l'homme, annonce au chef de Tigre. Donc ici, nous voyons que c'est un chef politique de politique. Mais quand vous continuez, vous vous rendez compte que ce n'est pas le chef de tir. Le chef de tir là, c'est lui-même l'ange en question. Je vais me répéter pour que les gens comprennent encore mieux.
travailler comme il faut. Mais il a vu la manière de Dieu le travailler. Satan prend aussi le corps comme Dieu prend aussi le corps. Satan a c'est à ce moment-là que nous allons revenir sur le partage de la nuit. Mon Dieu, quand Jésus-Christ chassait les démons, quand il s'est approché pour chasser les démons, les démons ont dit: nous choisissons un lieu où tu peux nous amener. Nous voulons entrer dans le pousseau. Le Seigneur sait que c'est dans la coutume de Satan de prendre les corps même des animaux pour le faire. Il a dit, parce que vous avez la maison de travers. Êtes-vous prêt à être scandalisé? Amen. Je vais un peu vous scandaliser. Quand le serpent est arrivé, vous n'allez pas me dire, je tiens à vous dire que c'est l'homme qui a donné même le nom au serpent. Amen. Ah, je ne suis pas vous scandaliser, mais tout de vous scandaliser. Vous allez voir là où vous serez scandalisé. Maintenant, j'ai dit le plus important. Pendant que le serpent était là, l'homme était là. Le serpent n'a jamais touché l'homme. Et Satan n'a jamais touché l'homme. Oh, Satan sur la terre, il avait une mission. Pourquoi Satan n'a jamais osé aller tenter à Adam? Mais je vais vous dire, le premier homme que Dieu a fait créer dans le jardin d'Éden, il était l'homme-femme. Il était l'homme-femme. Donc la femme était dans l'homme. Mais oh, pour que cet homme le fasse, il faut seulement la femme. Mais comme la femme était cachée dans l'homme, Satan ne pouvait pas faire ça. On a cherché parmi les femmes. Ok. Et quand on cherche parmi les hommes, on trouve un qui échappe. L'homme est là. Mais quand l'homme est fort, c'est pourquoi? Pierre le prophète. Il dit, la femme, moi, c'est le sexe faible. Les contraires veulent dire l'homme est fort. C'est pourquoi l'homme, j'aimerais vous dire, toutes les femmes que vous voyez, même si elle est dans le bureau, ministre de tout consort, sa sécurité c'est l'homme. C'est pourquoi Cantique de Cantique dit, je dors, mais mon cœur est dehors. J'attends mon bien-aimé. Quand le bien-aimé entre, la femme commence à ronfler. La femme que le bien-aimé entre, la femme ne veut plus.
Pendant que je vous fais voir, que pendant que l'homme était comme le chapeau de grâce, la serpent était là et était gardé. Mais la Bible, je ne peux pas toucher l'homme. Car la femme est à l'intérieur. Mais comme la femme est à l'intérieur, mais il a fallu que Satan travaille. Or, pour qu'il travaille, il faut que Dieu se batte. L'homme et la femme. Que la femme sorte. Afin que Satan commence son travail. S'il n'y a pas la femme. Car il n'y a pas la femme. Satan ne travaillera jamais. Amen. Amen. Les frères, amen. Alors, merci. Et salut, maman. Amen. Amen, les frères. Et salut, maman. Il y a ceux qui disent non. Et ça, la soirée, c'est ton problème. Et ça, les frères. Pendant que l'homme était dans le jardin de terre. La terre, maman, elle est dans la réalité. Je suis dans le jardin de terre. Et maman, elle est dans la réalité. La femme était. Moi, je suis dans la casse. Aussi longtemps que la femme est à l'intérieur, le serpent ne peut pas me toucher. Vous voyez pourquoi cette parole-là? Cette parole-là que Jésus a dit, il ne dit pas si vous devez sur moi. Jésus ne dit pas si vous devez à côté de moi. Il dit si vous devez à. On ne dit pas si vous devez la mérite. Si vous devez un. Automatiquement. Satan. Il va se reposer. Il n'a pas de travail. C'est pourquoi Jésus dit. C'est lui qui te mène en. Moi je te mène en. Nous te venons en. Satan est au chômage. Satan est au chômage. Il n'a pas de travail. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque te touche, touche à la lumière de Dieu. Ça ne veut pas dire, t'es touché toi. Non, ça veut dire, toi, un chef dans le monde. Et quand il vient, voyez qu'il te touche. Il a touché Dieu. Il a touché Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça vous arrive. Il a mais quand l'homme. Parce qu'il a fallu que Dieu exécute ces choses. Voici pourquoi, avant que l'homme pêche, je vais vous dire, c'est un nom donné après le péché. Avant le péché, on ne l'appelait pas elle. Cela est écrit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons comprendre parce que c'est vraiment le prochain. Dieu dira à travers l'homme. Alors, on t'appellera Ève. Vous doutez? Vous venez de Jésus? Vous venez de Jésus? Vous venez de Jésus? Il y en a plein. C'est pourquoi je vous aime. Vous êtes de vous. Apôtre. Apôtre. Qui a l'héritier? Donnez l'héritier. Et c'est pas moi, vous allez dire que c'est toi qui a inventé l'héritier. Et d'ailleurs, combien? Chapitre 3. Chapitre 3, verset 20. Pour nous dire, ça va tout fort. Attends, avec toi, on va voir la casse. Comme ça, quand tu vas l'écriture, si tu as fait comme ça, tu vas voir l'écriture. C'est ça nous avançons. On vous laisse l'écran ici, s'il vous plaît. Avec la toi, il y
Il y a même le temps parce que mes mérites de Jésus deviennent chargés. Ton mission de la terre, go. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Au début, quand il a péché, l'écriture est là, c'est la même. Tout ce qu'on fait comme ça. Allez, ça veut dire qu'on a l'écriture. Mais là, j'explique. C'est le VA à la Moukaki qui t'a donné le nom. Il est appelé ça qui m'a dit qu'on voulait soit c'était l'os de maison chair de ma chair. Mais avant que tu aies réalisé beaucoup à l'écouan, tu as souni à l'issouni. Après les péchés, c'est la mère de tout être vivant. Il y a qui de
allez voir. Mais qu'est-ce que tu as recommandé? Juste quand la femme est sortie. Tel moi, moi, si abîmé. Satan. Satan. Il dit maintenant que le travail commence. Alors, qui s'appelle du bonsoir les sous la permission de Dieu. N'a continué à m'enzamber. Mais bien, mes frères, quand Dieu fait de bonnes choses pour nous, c'est à ce moment-là que Satan s'engage maintenant contre toi. Nous allons comprendre ces choses. Nous voulons que tu aies notre séminaire. Il commence le jeudi. Jusqu'au dimanche. Que le Seigneur nous fasse grâce. Afin que toute personne parmi nous arrive à comprendre le manigance de cet esprit. Et je crois, si nous tous nous avons cette parfaite connaissance, nous deviendrons un fait avec les révélations que nous avons. De pauvre père et beaucoup d'agnons, tout esprit d'attitude, d'impudicité, mensonge, cupidité, monimence, l'esprit de dispute des pouvoirs. On n'entendra plus parler au lieu. Mais si cela arrive, la parole de Dieu s'accomplira aussi. Je parle avec beaucoup de prudence. Je sais que je parle devant le connaisseur. Il y a ceux qui disent nous attendons qu'il fasse seulement. Avant de vous prêcher, je vous craignais. Et comme je suis en train de vous craindre. C'est pourquoi quand je prêche, je crains. Alors je dis que Dieu dit, laisse que ma bouche puisse dire que ce qui est écrit. Sinon, je serai lapidé. Le vrai peuple de Dieu lapide un serviteur qui a fait une erreur. Amen. Ne faut pas faire ce que j'ai appris qu'on fait à l'évater. Nous allons les lapider. Il y a une manière de lapider. Amen. Maintenant, le serpent, ça serait ignoble. Qui était le plus rusé selon la révélation de Dieu sur cet animal-là? Sur cette bête-là. Que Dieu connaissait très bien. Il s'est introduit dans le corps de ce serpent-là. Voici là où je vais scandaliser. Ici, c'est le débat qui commence ce soir. Remarquez. Comme Dieu les a séparés, la femme est restée de son côté. Elle-même de son côté. Maintenant, ils étaient prêts. Ça fait pas mal de la Bible n'a jamais dit. Ils étaient même chair. Et la vraie souligne, même âme. La vraie élite, mon et même esprit. Et mon lit, mon non, vous pas dire ça. La Bible dit l'homme sans le chair, un point de je vais expliquer pourquoi je vous ai dit ça. Parce que chacun se fait l'affaire. En s'attendant des minutes. Remarquez. Justement, il possède le corps d'une bête. Yanyama. Donc cet esprit avec la tête. Devienne un. Et la tête. Azul au lingue à moto.
Amen. Et Ali Bongo. C'est le débat. Ah ouais, j'ai pour gagner la main. Comment le bête prend la forme de l'homme? La bête commence à parler. La bête Nyama entre dans l'entretien pour l'homme. Oh, qui peut parler? Avec tout ce qu'il a fait, c'est un gâché. Et au moment où il est en train de faire, il est en train de faire. Amen. 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 Ah, les grands par la plana. Ce sont les 10. Oui. Il va parler comme nous. Ah, le dire pour la 10. Ce n'est pas ça. Jésus est en train de dire que c'est ça. Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire que ce n'est pas ça. Mais ce soir, ça sera toujours ce qu'il a. Comme ceux qui ont vécu ce soir ici. Donc, je suis content de voir qu'il y a un homme de Dieu. Jeunesse me dit qu'ils ont eu la plaisir que je ne vais pas parler ici. Que je ne vais pas parler pour qu'on demande le jour. Le secret de leur entretien. C'est maintenant que je vais vous donner un peu de scandale. Remarquez. Quand ils parlent, ils parlent avec la femme. La bête qui est cet animal. L'incarnation de Satan lui-même. Comme il a choisi la femme. La femme est choisie par qui? Moi, c'est même dans la maison de Potiphar. Entre l'homme et Joseph, les choses marchaient bien. Comme la femme était. Tant que la femme est là, sachez que Satan est prêt. Et Satan, pour travailler, il passe à travers la femme. Le Seigneur, amen. Le Seigneur, amen. Moi je parle des femmes. Mais si toi tu es une femme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je regarde pas. Dans 2 minutes. On termine tout à suite. J'ai 2 minutes. Je gagne le temps. Je veux dire quoi? Quand la femme pêche, parce que l'homme ne pouvait pas pêcher, selon la révélation de Paul, il nous démontre la scène parce qu'il était prophète du jardin de Ben. En disant dans le livre de Timothée, que c'est la femme qui fit ce petit. Ce n'était pas l'homme. Mais regarde ce qu'il dit. Tu veux bien ce qu'il dit. Dans les livres de Genèse, je ne peux pas vous laisser sans vous scandaliser. Quand la bête vient parler avec la femme, la bête a séduit la femme. Nyama a sindi saki moisi. Paul dit qu'il a séduit. Il a séduit la femme. Deux. S'il a séduit. Soki a jindi samaki. Il a eu quoi? Elle a dit ça yanti. Parce que. Boy. Quand Dieu vient là. Na kama koro zanga koya. Dieu va dire. Zanga koba. L'homme. Mobale. Regarde ce qui te concerne. Da oye tadio. La femme. Moisi. Regarde ce qui te concerne. Da oye tadio.
Mais dans ce qui concernait la femme, Dieu parlera de la grossesse. Pourquoi Dieu parlera de la grossesse? Oh. C'est-à-dire la femme a eu la grossesse. Et on lui a dit, ta grossesse là. Vous voyez comment vous êtes canalisé? Comment est-ce que vous êtes vivant? Mais pourquoi Dieu va parler de la grossesse de la femme? Si la grossesse n'était pas là, donc pourquoi je augmenterai les souffrances de ta grossesse? N'a pas dit ça, pas si il y a des c'est-à-dire la femme. Et lui, on l'a dit, moi, si. Après avoir été séduite, et si ma naïe cogite, dit ça va? Ne serait pas là, mon gosse. Non, on va faire ça qui est séduit. Amen. Les amis, bonjour. Amen. J'avais que deux minutes. Et ce que je dis, je sais que vous allez dire amen après. Entre temps, je vous dis. Elle a été séduite, mais là, elle n'a pas été amoureuse. C'est ça. Et Dieu parle de la grossesse. Elle a été séduite, et engrossée. Peut-être ton problème, c'est de quelle grossesse. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé, chacun a nommé. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Gallo? Allez sur christequality.com/albertgallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Évangileéternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.